c'è poco niente. Stasera in mezza via, un migliaio, poco presto, di persone per sostenere. Intervenant en langue corse et commentateur sportif, Philippe Perrault milite pour un usage quotidien et décomplexé du corse. Objectif, se réapproprier la langue et la faire vivre, quitte à faire quelques erreurs. À l'âge de 20 ans, on se moquait de moi au village parce que j'ai estropié le corse. 36 ans plus tard, j'ai toujours à apprendre parce qu'il y a toujours à apprendre. J'ai fait des efforts. Bon, il faut à un moment donné, il faut aller la chercher. Il y a eu ce désir de parler corse, quitte à se tromper. C'est pas grave si on fait des erreurs. Tout le monde en fait des erreurs. Le tout, c'est de continuer à faire vivre chacun à son niveau cette langue. Transmission familiale en déshérence, blocage politique, absence de reconnaissance institutionnelle, les causes sont multiples, mais le constat sans appel. Aujourd'hui, la transmission directe concerne seulement 2% des enfants, contre 90% au début du siècle dernier. Pour tenter de freiner la disparition de la langue, les initiatives privées se mettent-elles aussi en place? Cos'è de fatto? E ho messo i bicchetti e mi dirò due secondi. Ie, quanto è de fatto? 50 mètres. Exemple à Ponteno avec cette société de démaquisage qui veut faire du bilinguisme un mode de fonctionnement officiel. On a comme projet de réécrire donc nos documents en langue corse, que ce soit donc les présentations d'entreprise ou les devis pour ceux qui le parlent, également de refloquer nos véhicules bilingues, c'est-à-dire en français corse, donc sur nos véhicules apparaît donc les activités de la société. Nous faisons tout ensemble. 1, 2, 3, 4. L'une des plus grandes réussites de la société civile en termes d'apprentissage de la langue, c'est l'association Pratica Lingua. Elle a ouvert ses portes à Bastia il y a bientôt 3 ans et compte aujourd'hui plus de 400 inscrits. Le but, c'est que la langue elle soit au centre de tout. Peu importe, on peut apprendre en Corse, on peut apprendre à faire des pizzas, si ça vous plaît, quoi. Donc on peut tout faire en Corse. C'est une langue qui peut servir à tout. Et aujourd'hui, Pratica Lingua est là pour montrer qu'on peut tout faire en langue corse. Si on veut faire de la sismologie, autant on peut y arriver. Ribiamo, 3, 4. Pratica Lingua ne propose pas de solution miracle, mais son succès démontre que la demande existe et que la société civile peut participer efficacement à la survie de la langue. Et continuez.